Og senere, i december 1964, var der premiere i Paris på Gertrud, Drejers seneste film. Oh, oui, 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 oui. En tout cas, je connais vos films. Oui, c'est vrai. Madame Dreyer, c'est ma femme. Alors, nous allons avoir une première mondiale à Paris d'un film danois de M. Dreyer. Monsieur Gertrud, oui. Mais je crois que nous venions ensemble d'ailleurs mercredi soir. C'est ça. Et la projection du film est quand? Parce que la seule chose qu'on nous a pas dit, c'est vendredi. C'est un homme absolument merveilleux. Je l'observais pendant qu'il parlait au public. Il a cette profonde timidité des vrais artistes. Et je sais que c'est un cinéaste danois, mais pour moi, c'est essentiellement un grand cinéaste international. Madame Karina. La carrière de M. Dreyer a été extrêmement difficile puisqu'il lui est arrivé d'être chômeur pendant une dizaine d'années, je crois même 13 ans, entre par exemple Vampire et Désirée. Et c'est un homme qui a eu raison de s'en tenir à son idée initiale et l'a poussé jusqu'au bout. Il n'a pas fait un très grand nombre de films, mais ils ont chacun d'eux a une très grande importance dans l'histoire du cinéma. Tu viens? Soyez tranquille, on ne vous demandera pas de faire un discours à Pégase, la première. Le monde de Dreyer, c'est que c'est un monde spirituel. C'est que l'amour le régit. C'est que, à travers le drame qui se passe évidemment sur l'écran, on devine un autre drame qui se passe derrière l'écran, qui est le monde du bien et du mal, le monde de la grâce et le monde de la tolérance. Gertrud var Drejers 13. film. Den blev optaget i løbet af sommeren 1964 i København. Bitter elsker arbejdet i atelieret. Vi ser på hinanden som lige mænd, og vi snakker om tingene frem og tilbage, indtil hver ting er på sin rette plads. Jeg betragter det som min opgave at være med i det hele, eller i hvert fald i det mest mulige af det. Der er to ting, der spiller en meget stor rolle for mig. Det ene er manuskriptet, og det andet er rollebesætningen. Og det er i virkeligheden de to støtter, der bærer hele filmen.